Pédibus. Pédibus. C'est quoi ça, Pédibus? Une histoire de pieds? De pieds, on t'a dit. Oups, pardon. Une histoire de bus? Et si on demandait à qui? Je sais pas, moi. On va chercher. Un genre de groupe scolaire qui vient chercher tous les enfants et qui doit attendre devant le portail et après ils partent à l'école ensemble. Une sorte d'organisation qui permet à des enfants d'aller à l'école et qui sont accompagnés par des parents. C'est un transport de commun avec plusieurs personnes qui se rejoignent pour aller à l'école et voilà. Aller à pied à l'école avec d'autres enfants. Le Pédibus, c'est un groupe de gens. Il y a des parents qui s'en occupent et c'est un groupe d'enfants qui vont à l'école. Demande à quelqu'un d'autre. Et toi, tu sais à quoi ça sert finalement, Pédibus? Oui, je sais, mais je ne peux pas te le dire. Pourquoi tu peux pas? Parce que c'est un secret que James Bond a dit à mon père. C'est vrai? Mais si je te le dis, il lui a dit hier soir. Tu pourrais le rencontrer pour lui demander. Oh non, c'est pas possible. En plus, t'es trop petit. N'empêche que moi, j'aimerais bien le voir. Pédibus, ça permet aux enfants d'aller à pied à l'école, même si leurs parents ne peuvent pas les accompagner tous les jours. Pédibus. Bon, les enfants, j'espère quand même que vous vous souvenez un petit peu de tout ce que je vous ai dit sur Pédibus. Alors, qui peut me dire comment s'appelle Pédibus? Ou plutôt, quel est le deuxième nom de Pédibus? C'est Chéripat. Mais non, c'est n'importe quoi. Alors, quelqu'un, quel est le deuxième nom de Pédibus? C'est Carapuce. Carapuce. Mais tu sais pas que Carapuce, c'est un nom de Pokémon? Non, allez, sérieusement. Le vrai nom de Pédibus. Le deuxième nom de Pédibus. Carapate. Super, Émilie, bravo. Oui, effectivement, c'est carapate. Je vous avais déjà expliqué le petit jeu de mots qu'il y avait à ce sujet, carapate, hein, un car avec des pattes, enfin bon, bref. Deuxième question. Qui peut me dire quand a été créé Pédibus? Je crois que Pédibus a été créé au temps des dinosaures. Au temps des dinosaures. Mais c'est du grand n'importe quoi, ça. Du teint de Cro-Magnon. Bon, allez, arrêtez vos bêtises, là. Du teint de Cro-Magnon. Alors, quand ça a été créé, Pédibus? Quand mon arrière... quand ma grand-mère faisait du judo. Non, mon arrière...
Bon, stop, arrête, ça va, on a compris. Mais vous n'avez rien écouté à ce que je vous ai dit, moi, la dernière fois. Bon, il va falloir que je refasse toute la leçon, alors. Maître, tu es toujours fâché contre nous. Je peux poser une question ? Je ne suis pas fâché. Je suis simplement déçu de devoir tout refaire. Bon, allez, c'est pas grave, de toute façon. Allez, vas-y, pose ta question. Bon, alors, est-ce que Petit Bus va continuer à marcher longtemps ? Alors, au départ, Pédibus a rencontré du succès, c'est-à-dire que plusieurs groupes se sont mis à faire du Pédibus. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun Pédibus qui marche sur Salon de Provence. Notre objectif, c'est de remettre en place un système Pédibus qui soit un peu différent de celui qu'il y avait avant pour que ça fonctionne mieux. On va discuter avec les parents d'élèves pour qu'ils s'organisent, qu'ils se mettent en une association pour faire fonctionner Pédibus. Entrez ! Bonjour, voilà, j'ai un problème d'amour. Je n'arrive pas à trouver un garçon à marier. Je ne sais plus quoi faire. Je vois un homme qui vous aime en secret. Mais qui ? C'est le percepteur des impôts. Il va très bientôt vous écrire. J'ai un problème d'argent et je ne gagne plus de sous depuis un an. Piochez une carte et donnez-la-moi sans la regarder. Vous avez de la chance. Je vois que la banque va vous verser 20 000 euros. Mais il faudra passer par la caisse d'épargne. Au suivant! Bonjour, je viens vous voir parce que je crois avoir la grippe, mais le docteur me dit que je n'ai rien. Est-ce que vous salissez beaucoup en bricolant ? Oui, un peu. Alors c'est bien ça. Je vois que vous êtes un petit cochonnet. Et c'est pour ça que vous vous croyez malade. À cause de la grippe porcine. Ah bon ? Suivant. Bonjour. J'aimerais bien au moins prendre une fois Pédibus pour aller à l'école, mais je ne sais pas comment on fait. Il y avait quelqu'un qui nous dirigeait, puis nous, on marchait derrière et on allait jusqu'à l'école. Avec les parents des élèves, on se donne rendez-vous devant un panneau Pédibus et puis on part ensemble à l'école. Alors moi, je vais plutôt vous dire comment je souhaite qu'on l'utilise, comment je pense qu'il faut l'utiliser pour le futur. Hein. Donc l'idée, c'est que les enfants et les parents qui sont intéressés par Pédibus s'inscrivent à une association pour dire, voilà, moi je souhaiterais faire Pédibus. Donc les parents s'inscrivent pour dire à quel moment ils pourront accompagner les groupes d'enfants à l'école. Et les enfants s'inscrivent pour dire quand ils souhaitent prendre le Pédibus. Nous espérons d'ici la fin d'année, donc d'ici la fin du mois de juin, faire une réunion en convoquant les parents d'élèves pour leur expliquer le nouveau dispositif Pédibus que nous souhaitons mettre en place. Et l'objectif, c'est pour la rentrée prochaine de demander aux parents et aux enfants qui sont intéressés pour essayer de remettre en fonctionnement un Pédibus vers le mois de décembre, peut-être au plus tard décembre 2009. Bon alors, vous avez tous compris ce que c'est Pédibus ? Oui, en fait, ce n'est pas du tout un bus. Même si ça lui ressemble un peu sur le principe. En fait, ce sont des points de rencontre sur le chemin de l'école. Où l'on se retrouve comme des arrêts de bus. Et là, les adultes prennent le rôle des chauffeurs. Ils nous mènent à pied jusqu'à l'école. Comme ça, ça évite de prendre la voiture, d'encombrer la ville et de polluer. Et en même temps, ça fait de l'exercice, c'est bon pour la santé. Sans compter qu'en marchant, on peut discuter avec les copains, c'est plus sympa.
Mais les accompagnateurs, ils pensent quoi de tout ça? C'était sympathique parce qu'on rencontrait d'autres enfants. On leur parlait alors qu'en général, on n'avait pas trop l'occasion de leur parler. Et on passait un petit bout du trajet sans s'apercevoir en fait que l'on marchait. On discutait, tout le monde, les enfants couraient, c'était fort sympathique. C'est bien aussi pour les parents qui peuvent pas être là de savoir que leurs enfants sont accompagnés finalement jusqu'à l'école. Et c'est bien pour les parents qui accompagnent parce qu'ils le voient toujours de nouvelles têtes et que c'est sympathique. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si on part du principe que c'est un moment où les gens se rencontrent et vont ensemble à l'école. Ce que j'aimais moins, c'était quand les parents récupéraient les autres enfants et un ou deux parents accompagnaient beaucoup de monde à l'école en même temps, sans pouvoir discuter. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'inciter. Quand on est un groupe, c'est plus agréable d'aller à l'école ensemble. Et les enfants se racontent leurs histoires et les parents font vraiment connaissance. Moi, il me semble que c'est ça qui est important pour inciter les gens à aller à l'école à pied.